Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser la recette de la ganache lactée caramel. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Et c'est parti, on commence tout de suite la recette. Donc pour cette recette de ganache, vous allez avoir besoin de chocolat lacté caramel. Moi, j'utilise le chocolat en pistole de chez Cacao Barry. Et vous pouvez également mettre du chocolat noir, ça viendra un petit peu désucrer la ganache. Donc on place notre chocolat dans un cul de poule. Et en parallèle de ça, dans une casserole, j'ai mis mon poids de lait et mon poids de crème liquide entière. On aura également besoin de beurre froid, mais ça, on réserve pour tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer par venir chauffer notre mélange lait et crème. Allez, c'est bien chaud, on va pouvoir le verser en trois fois sur notre mélange de chocolat. On va venir réaliser ce qu'on appelle une émulsion. Ça consiste à lier les deux textures. Et donc pour cela, on va réaliser des petits cercles au centre de notre cul de poule pour lier notre chocolat à la crème. Lorsque notre premier tiers de crème est incorporé, on peut ajouter un second tiers. Lorsque nos trois tiers sont incorporés à notre chocolat, on va pouvoir verser le tout dans un pichet haut contenant le beurre et on va venir lisser le tout à l'aide de notre mixeur plongeant. Une fois que le beurre est bien incorporé, votre ganache est prête. Donc ce type de ganache peut s'utiliser comme garniture de tarte ou d'entremets également. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, pâtissez bien et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao !